Il y a exactement 4 mois, c'était au mois de décembre, m'exprimant sur l'orientation budgétaire 2017 de la commune de Dinguinchamps, j'insistais sur la nécessité d'inscrire nos actions dans une vision planifiée et projetée à moyen et long terme, même s'il reste avéré que la gestion municipale est une affaire de proximité. La bonne planification est en effet la condition sine qua non de réussite de toute initiative de développement envisagée pour notre commune. C'est fort de cela que j'ai procédé à la réorganisation des services de la municipalité en créant entre autres la direction de la planification et des projets et programmes ainsi que la direction de l'audit et du contrôle et de la prévision. Notre conviction sur l'importance de la planification est d'autant plus forte que les résultats satisfaisants que la ville de Dinguinchamps commence à obtenir en matière d'assainissement confirment, grâce à l'orientation et surtout à l'élaboration, je ne jette pas des fleurs, hein, à partir de 2009, du plan directeur de l'assainissement, plan qui s'est achevé en 2011, et la mise en œuvre de celui-ci en cours, qui merveilleusement structuré à l'horizon 2025 pour un coût global dans sa phase prioritaire du vieux Dinguinchamps de 16 milliards de francs CFA, mais de l'ensemble de Dinguinchamps, ce qu'on appelle les grands Dinguinchamps en tenant compte du développement de notre ville, ce plan se chiffre à plus de 50 milliards de francs CFA. L'activité qui nous réunit aujourd'hui donc s'inscrit dans cette même logique et revêt par conséquent une importance capitale. Elle nous permet d'assurer pleinement les compétences qui nous sont dévolues en matière de planification en vertu de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant compte général des collectivités locales. Celle-ci dispose en son article 315 que la commune reçoit les compétences suivantes, l'élaboration et l'exécution du plan de développement communal, PDC, en articulation avec les plans de développement de la commune, mais aussi les plans de développement du département. Pour ça, je suis tenu à ce que le département soit bien représenté, mais aussi la mise en œuvre du contrat-plan entre l'État pour la réalisation des projets de développement dans notre ville. Le plan de développement communal constitue donc l'instrument de planification quinquennale, papy me disait que c'est pour 6 ans, mais maintenant avec la nouvelle réglementation, mais qui intègre aussi les dimensions démographiques, économiques, sociales, spatiales et environnementales. Il nous permet d'articuler les actions et les projets de développement avec la situation de nos ressources et potentialités pour prendre en charge efficacement les besoins de nos populations. Il s'agira donc concrètement, je pense que tout à l'heure, en voyant le terme de référence, il s'agira d'effectuer un diagnostic effectif et exhaustif, reflétant les atouts, potentialités et opportunités, mais aussi les difficultés et les contraintes de notre commune. D'identifier les axes prioritaires de développement et de définir les orientations stratégiques ainsi que les résultats à terme. D'élaborer un programme de développement chiffré, ambitieux quand même, parce que nous avions un pic qui malheureusement a été expiré, mais qui était sous-évalué compte tenu des aspirations de développement de notre ville. Et je considère qu'en tout à l'heure, en élaborant un programme de développement chiffré, adossé à des projets opérationnels, en les articulant bien entendu avec les programmes et politiques sectorielles de notre pays, notamment le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi de proposer un cadre de mise en œuvre et de suivi évaluation de ce plan de développement communal. L'élaboration de ce plan de développement communal vient à son heure. Elle coïncide avec l'inspiration de notre plan d'investissement communal, comme je l'ai dit, qui a été conçu pour la période 2011-2016 et qui est inspiré, qui était un plan très modeste. Et je considère que nous allons bientôt réaliser un nouveau plan d'investissement communal grâce à l'appui de l'ARD pour un montant de 5 millions, mais aussi avec, bien entendu, auquel nous ajouterons nos ressources propres. Donc l'élaboration de ce plan aussi nous permettra, Monsieur le Préfet, dans la même dynamique, de procéder très prochainement
à la révision du plan d'urbanisme directeur de Dingenshof, qui date de 1983, donc qui normalement a expiré depuis 2003, c'était un plan qui était fait pour 20 ans, et ce plan qui nous permettra d'assurer une meilleure gestion du territoire municipal, parce que Dingenshof est en train d'étouffer. Si vous vous déplacez du côté de pour aller sur la route du Cap Skilling, dès que vous dépassez le checkpoint, vous êtes déjà dans la commune de Niagis, parce que vous êtes déjà à Dibelo se trouve curieusement dans le territoire de la commune de Niagis. Et si vous dépassez le pont Émile Vaillant, vous êtes déjà à Bignona. Donc de l'autre côté aussi, vous savez qu'à Canten, on est déjà dans la commune de Niagis. Le Boutoupo Kamara Kunda, et puis dans les rizières des Kenya, on est dans la commune de Niagis. Donc je pense que tout ça pourra quand même trouver une correction dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau plan directeur d'urbanisme de Dingenshof, qui sera articulé avec la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation qui parle de cohérence territoriale. Je pense qu'il est important à l'occasion de l'élaboration de ce plan de corriger les imperfections et nous permettrons. Nous avions déjà à l'époque, c'était il y a, je pense que c'était en 2010, constatant l'étouffement de notre ville, déposé avec le gouverneur qui était là et puis les autorités administratives qui étaient à l'époque qui étaient à Dingenshof. Donc nous avions sollicité l'extension du territoire communal, c'est 3 km du côté de Tibelo et c'est 7 km du côté de Kamara Kunda. En fait, vers Bourg-Faille et puis un peu du côté de Niagis, parce que sinon, je pense que notre ville ne pourra plus se développer parce que nous allons nous étouffer et que les projets et programmes qui normalement devraient être localisés dans notre ville ne pourront pas le faire parce que nous ne disposons plus d'espace territorial. Donc, les termes de référence sont en train d'être formulés et une requête de financement des études sera soumise prochainement au bailleur de fonds. Ciblé. Un comité technique sera mis en place en rapport avec les services de l'urbanisme. Je voudrais vraiment me féliciter de la collaboration très franche et étroite que nous entretenons avec l'ensemble des services de l'État, que ce soit l'urbanisme, la préfecture, mais aussi les services des finances, les services des impôts et domaines. Et les services de l'urbanisme nous assistent dans la mise en place de ce plan, en intégrant les besoins de structuration, de restructuration de certains quartiers. Nous avons déjà travaillé et plusieurs missions se sont rendues à Dakar pour la restructuration du quartier de Nema 2 et de Diaby. Nema 2 est un quartier qui est vu dans les difficultés depuis très longtemps, compte tenu de l'existence du bord, donc on ne pouvait pas lotir ce quartier, donc qui est devenu un bidonville à l'intérieur de notre commune, mais je pense compte tenu des actions communes du ministère de l'Urbanisme et de la municipalité, nous allons dans les mois à venir procéder à la restructuration des quartiers de Nema 2 et de celui de Diaby. Et puis nous travaillons aussi étroitement avec les services de l'État pour le développement du pôle urbain autour de l'université Assam-Sec et surtout le renforcement du réseau des infrastructures et des équipements collectifs au profit des populations de notre ville. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter solennellement et le remercier, le directeur de l'Agence de développement régional, ainsi que toute son équipe pour l'engagement sans faille dans l'accompagnement des collectivités locales de la région, mais surtout de celle de Dingenshof, notre commune en particulier. Donc j'invite les facilitateurs, enfin, les animateurs chargés de la conduite du diagnostic par zone par zone. Je voudrais que vraiment que l'élaboration de ce plan soit quelque chose d'inclusif et de participatif. Que l'ensemble des délégués des quartiers, l'ensemble des conseils des quartiers, l'ensemble des couches les plus défavorisées de notre commune, toutes les composantes de l'économie, toutes les catégories socio-professionnelles, les élus locaux, les élus nationaux, tout le monde puisse être associé à l'élaboration de ce document, qui est un document important, et je voudrais aussi qu'on accorde un intérêt particulier aux groupes vulnérables qui sont dans notre commune, que ce soit les handicapés, que ce soit
les personnes qui vivent dans une situation de détresse économique, de manière à nous permettre de prendre en charge toutes ces préoccupations. Car je suis très content du lancement de ce plan, qui est très important pour notre ville, qui est très important dans la planification et dans la région inclusive et participative que nous avons imprimée depuis que nous avons été élus maire de la commune de Dégagement. Donc ce sont ces quelques mots que je voulais dire en introduction en vous remerciant de votre aimable attention.